Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Corner rentrant d'Emmanuel Petit. Et vous voyez que sur l'action de Lilian Thuram, il est allé jusqu'au bout. Il a obligé Roberto Carlos à concéder ce corner. Corner tiré au premier poteau. Un corner qui tombe exactement sur la ligne de surface de but. Et d'une tête, ce match est remarquable. Il est devant Leonardo Zinedine Zidane. Et il marque le premier but de cette finale de la Coupe du Monde. Bonne impulsion. Il marque son premier but dans cette Coupe du Monde parce qu'il n'avait pas marqué encore. Zizou, il a choisi le bonjour et la France mène 1-0. 5-42 alors. Oui. Djorkaeff et but. Zidane, deuxième but de Zidane. Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu deux corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane. Juste avant la mi-temps, l'équipe de France mène 2-0 face au Brésil au Stade de France. Et je crois que les Français ont pris deux fois le ballon de la tête à la défense brésilienne, deux fois sur les corners et deux fois Zinedine Zidane. Corner de la gauche tiré par Michel Platini. Zinedine Zidane, une fois Zinedine Zidane, deux fois corner de la gauche tiré par Djorkaeff. Corner de la droite tiré par Emmanuel Petit. Et 2-0. Face à l'équipe du Brésil. 28. Alors que l'on revoit à nouveau, là il avait mis quelqu'un au premier poteau, c'était Roberto Carlos, mais Roberto Carlos, regardez, il est tétanisé, il serre les jambes. Deuxième mi-temps pour les Brésiliens, pied gauche toujours, et ballon écarté, Dugarry qui était venu, à gauche, 16m50. À gauche, ils ne reviennent pas les Brésiliens, allez, à gauche, Emmanuel Petit, allez, à gauche. Petit, et but, et troisième et but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du délire dans le Stade de France, 48e minute. Emmanuel Petit qui était parti de ses 16m50, qui a appelé ce ballon. Et il ne revient pas, les Brésiliens. Il vient crucifier l'équipe du Brésil. 3-0. Là, je crois que c'est Rapado pour nos amis brésiliens. Rapado. Ah oui. Oui, parce qu'il ne reste plus rien. Équipe on en est à 47-40. À 10 contre 11. Les Français sont allés marquer ce but. Superbe ballon de Patrick Vieira. Et là, Emmanuel Petit, avec beaucoup de lucidité, est allé mettre ce ballon dans le petit filet opposé. Son deuxième but en équipe de France et son deuxième but en Coupe du Monde. C'est fini, Thierry. Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Oh, putain. Oh là là. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. On va laisser parler les images, Thierry, parce que oui. Je crois que... Oh là là, Barthès. Oh là là. Ah oui, eh oui, on ne pensait pas le rêver dans notre plus beau rêve. Eh bien voilà, ça c'est fait. Et puis pour vous, Thierry, c'est quand même pas mal, non? Ah, c'est bien, oui. Oui, pas pour vous, pour les autres aussi. Oui, mais... c'est bien pour tout le monde. Oui. Mais enfin, surtout pour moi. Ah, c'est super. Moi, j'y croyais bien, mais franchement, 3-0. Mais ouais. C'est bien. On se serait contenté d'un petit 0. Oui, même à la 89e. Hein. Ouais. Et là, le but là, est venu à la 89e, mais en fait, il était le troisième. C'est magnifique, bravo. Bravo à tous, à tous les joueurs, à Aimé Jacquet. Et à souligner, Thierry, que c'est la première fois dans une vraie finale que le Brésil est battu. Ouais. Puisque
Le match contre l'Uruguay en 1950 au Maracana était en fait un match de poule. Un match de poule. Sur la table. Sur la table et je Est-ce que le président Chirac va monter aussi? Le président. Ah, je ne pense pas. Non, il va lui. Il va lui passer. Mais il va lui passer la Coupe du Monde. Voilà. Allez Thierry. Didier Deschamps embrasse la Coupe du Monde et reçoit la Coupe du Monde. Ouais. La Coupe du Monde est française pour 4 ans. Bravo, bravo à Didier, bravo à Laurent, bravo à Marcel, bravo à Zizou, à Robert, à Fabien, à Bernard. C'est extraordinaire, c'est vraiment un très très beau et grand moment. Et c'est bien fait, cet effet dans l'ordre, souvent c'est fait un peu dans le petit bazar, et bien là... C'est fait avec beaucoup de Zizou, beaucoup de joie, beaucoup de simplicité, mais très bien fait. Auteur de 2 des 3 buts. Il a fait une Coupe du Monde exemplaire aussi. Quand vous mettez champion du monde de football, vous imaginez, c'est...